deux cartes en fait un peu contradictoires, mais pas tant que ça. Tu vas recevoir un message de quelqu'un, d'une personne, et on te dit que tu le vois pas venir parce que clairement, tu as cru que c'était mort, que c'était fini, qu'il n'y aurait jamais plus de contact avec cette personne, qu'il n'y aurait jamais plus rien. Mais qu'on te dit bien que il y a cette prise de communication. On voit que ça va créer beaucoup d'instabilité, beaucoup d'étonnement de ta part, parce que tu ne pensais pas que cette personne, elle allait rentrer en contact avec toi. Alors, tu adaptes, je le dis toujours, tu adaptes à ce que tu vis, à ce que tu traverses et à ce que tu ressens, d'accord? On te dit que ce retour à la communication est une pure bénédiction. Un peu comme si, bah, un peu comme si, non, pas un peu comme si, mais cette sensation, cette tentation de reprendre contact avec toi est un peu de l'eau bénite, quelque chose que tu n'as pas vu venir. On te dit bien qu'il y a cette envie de bénédiction parce que tu devais traverser ça et ce retour, en fait, il était déjà marqué, c'était déjà acté dans ta vie, dans ton chemin de vie, mais tu ne l'as pas vu venir. On te dit que c'est une personne que tu as aimée par le passé, mais qui t'a aimée aussi par le passé, avec qui vous aviez échangé un véritable amour ensemble. Mais que vous avez rencontré des problèmes, des épreuves, des obstacles, et qu'en fait, votre relation, pas qu'elle s'est essoufflée, mais que vous, vous êtes essoufflé, toi, mais aussi lui ou elle, et qu'il y a eu cette lassitude de ne pas voir les choses bouger. Et que dans cette relation, à la fin, tout n'était que sacrifice et erreur. Erreur de communication, erreur de ce que tu voulais, de ce que tu ne voulais plus, mais aussi l'autre a aussi commis des erreurs et s'est aussi mis dans du sacrifice. Et que ça a été compliqué. Clairement, ça a été compliqué et qu'il a fallu que tout se termine parce que c'était juste plus possible entre vous. Maintenant, il faut savoir pourquoi cette personne aujourd'hui elle souhaite revenir vers toi, pourquoi elle reprend contact avec toi, malgré qu'on te dise que ce retour de communication est quelque chose de bénéfique. Ce qui est sûr, c'est qu'on t'indique qu'il y a le passage de cette porte et on me parle de maxi 7 jours pour la reprise de cette communication avec cette personne. Donc en fait, on est sur quelque chose d'assez soudain, d'assez rapide. Donc, n'hésite pas, tu vois, il y a le doute. Le doute, c'est toi qui vas l'avoir par rapport à ce retour. Pose-lui la question à cette personne de son pourquoi du retour. Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu me recontactes après tant d'années ou tant de mois ou tant de semaines de silence? Pourquoi tu as besoin aujourd'hui de reprendre contact avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et on voit bien que il y a cette relation où en fait, vous êtes attirés l'un à l'autre. Que vous avez un vrai contrat d'âme, que par le passé, oui, certes, ça a été compliqué, mais regarde, on te dit bien qu'il y a bien quelque chose à travailler ensemble. Mais il faut absolument aussi que tu poses ces questions. Tu ne peux pas repartir, et tu le sais, on ne peut pas repartir dans une relation si on a encore plein de questions, plein de doutes et de peurs profondes. Parce qu'on n'oublie pas que tu t'es senti isolé, parce qu'on n'oublie pas que tu as douté, parce qu'on n'oublie pas que tu as pleuré, que tu n'as pas compris tout ce qui s'était passé. Même si c'était peut-être un départ qui était fait d'un commun accord, l'amour était quand même là, d'un côté comme de l'autre. Donc oui, il y a un retour à la communication après quelque chose qui n'existait plus. Ça pourra répondre clairement à tes questions, parce qu'on sent que ça va répondre à tes questions. Mais tu n'oublies pas d'où tu viens, tu n'oublies pas ce que tu as souffert et tu n'oublies pas tout ce que tu as vécu pendant ce temps-là. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui tu vas accepter, tu vas choisir le retour de cette personne? Est-ce que toi, tu n'as pas déjà construit quelque chose? Où est-ce que tu en es sur ton parcours? En fait, ce tirage-là indique tellement de questions, tellement de doutes, tellement de choses. Et on te dit bien, tout à l'heure je te l'ai dit, mais il y a une vraie relation d'âme. On te parle d'une relation très, 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 très forte avec cette personne. Il y a encore des choses qui restent entre vous. On ne peut pas nier, c'est bien là, c'est toujours présent. À toi de voir si à un moment donné, tu as envie d'avancer dans la direction de cette personne qui revient ou si effectivement, tu es passé à autre chose et cette personne fera et continuera à faire partie du passé.